Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va grâce à Dieu. Si vous avez regardé ma vidéo hier, vous savez que je n'allais pas trop bien. Je me sentais un tout petit peu mal. J'avais des malaises, j'avais mal à la tête et tout. Mais j'ai dormi assez, j'ai bu beaucoup d'eau et là, ça va. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Les enfants sont prêts, ils sont lavés, ils ont pris leur déjeuner. Mon mari qui est dehors avec son ami, ils sont partis faire des petits achats. Paraît-il qu'ils vont cuisiner quelque chose aujourd'hui de leur pays et tout. Je vais vous montrer. Et moi, je veux me laver, just to get ready for the day. Ma soeur Belinda qui arrive, j'étais avec elle au téléphone. Elle arrive, je pense que je vais sortir, je vais faire un petit tour chez Target. J'ai certaines histoires que je manque à la maison, dans la douche et tout. So, yeah. So, I hope you guys are gonna enjoy this video. Pas grand chose à faire, mais je vous amène avec moi comme je vlog tous les jours. Peace. J'ai fini de prendre mon bain, je me suis habillée. Je pense que dehors il fait un petit peu froid. J'ai mis un pull là qui est trop bien. J'aime beaucoup. Comme ça. Et je vais essayer d'attacher mes cheveux parce que comme ça là ça va pas. Vous voyez comment tout est cassé. Sage. Vous voyez, ce sera sage. Oui. Yeah. Pendant qu'on fait le magasin et c'est incroyable. Je viens de rentrer à la maison étant fatiguée parce que Samir c'est autre chose qu'on ça se fait la première fois. En fait ma soeur elle est vraiment étonnée de voir ça quand je lui en parlais souvent.
De rien, non. Samir, il dort deux fois quand vous commencez le shopping, du coup, il dort. Soit je suis à la maison, je vous ai dit que mon mari allait cuisiner. On va voir ce qu'il a fait avec son ami. La maison, déjà, elle sent qu'il y a quelque chose qui a brûlé. En fait, c'est ça la spécialité. Je pense que j'ai mangé ce genre de nourriture à New York. Dans un restaurant ghanéen, c'est très bon. Mais je vous ai dit qu'ils ont brûlé un peu. Baby! Babe! Come! Oh my gosh. I will call, explain to her. This is macaroni jollof. Macaroni jollof. By spaghetti. Macaroni jollof. Macaroni jollof by spaghetti. Yeah, spaghetti, but you know this one, we make it like how we make jollof. Okay. So we put this shrimp. Any burn or no? That comes. Yeah, you burn. You watch a movie. Bah, on dirait que c'est bon, hein. A little bit maggi, I think. But it smells horrible, good. You say yeah. If you like. Maybe. It's not bad. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai ramené chez Target. En fait, j'ai acheté ce panier que je vais dire que c'est un panier en plastique. En fait, ce sont des histoires que je vais enlever ici. Vu que je pose pour les enfants le vêtement là-bas, je vais enlever ça et puis je pose ça là-bas. Pour qu'à tout moment, on a besoin de mettre des vêtements salons directement pour les enfants en fait. Parce que nous, nous en avons pour nous dans la chambre. Ensuite, J'ai pris deux pyjamas pour mon bébé, comme ça. J'aime beaucoup, nous sommes dans les thèmes de love. 14 février, c'est bientôt. En fait, ça, c'est la lotion que je vais commencer à mettre parce que je suis en train de finir ma lotion Aveeno. Et je me suis dit que j'ai envie d'essayer ça parce que je vois qu'il y a des gens et des influenceuses qui en parlent. Mais j'ai vu aussi une personne qui met ça. Et c'est vraiment trop bien pour la peau sèche et tout. So, je vais essayer ça pour voir si ça va vraiment aller avec ma peau. Ensuite, on est parti chez Walmart. J'ai acheté des parpettes. Ce sont des parpettes de chaque jour. J'en avais pas et ça aide beaucoup. Des parpettes de chaque jour. J'ai trop de sneakers si j'ai pas des parpettes. Et ensuite, j'ai pris mes thés comment on appelle déjà? Pour les seins maternels, ça m'aide. Et par contre, j'ai pris ce scribe pour se laver. Coconut butter scribe. C'est scribe? Or plain. J'ai pris quelques protège slip. Voilà tout ce que j'ai acheté. Et je n'ai pas fini parce que voilà, Samir a commencé à dormir. Ouais, et j'ai pris quelques pinces pour les cheveux et quelques élastiques pour les cheveux. Voilà, cela je vais essayer de manger et puis c'est tout, hein. So guys, right now, je viens de me changer. Regardez mes cheveux, comment ils sont. Yeah. Je viens de m'échanger, je vais mettre le pain même. Ça fait longtemps. Tout le monde, il est 17h34, tout le monde dort chez moi. Mon mari commence le travail aujourd'hui. Samir qui dort déjà, qui continue son sommeil depuis qu'on était dehors. Et puis voilà, hein, moi je vais juste vous montrer la mise en place de ces paniers ici. Et puis, je vais essayer de me reposer aussi un peu parce que je sais que la nuit, ils vont se réveiller, donc je dois aussi être forte. C'est mieux, au moins c'est spacieux, donc voilà.
tous les cartons là, je vais mettre mon mari qui va amener ça dehors. Mais je pense que je dois changer seulement les trucs en question où j'ai mis les vêtements. Ou bien je dois enlever ça, je garde quand je fais ma vaisselle. Sorry, quand j'ai fait la lessive, je ramène les trucs en question, je pose là-bas. Je pense que c'est plus mieux. Voyons voir, on la lève. Comme ça, c'est beau. Au moins, ça fait propre là. Les trucs à faire maintenant, je vais du tout commencer à. Quand je fais ma vaisselle, du coup, je mets soit un sachet là, ou bien je vais me trouver un truc. Ouais, je crois que là, c'est bon. Au moins, parce que je n'ai pas de place où mettre les vêtements des enfants. Et je ne mets pas les vêtements des enfants à la machine. Ça sort de là trop mal. So guys, c'était la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos messages. J'ai vu les gens qui se sont vraiment inquiétés à savoir comment j'allais. Des personnes qui m'ont donné quelques remèdes. La personne même qui vient d'écrire tout de suite là, je viens de voir le message que je puisse mettre de l'eau chaude, du gingembre, citron, je laisse poser. Tu es là, merci beaucoup, c'est gentil. Merci de faire partie de mes abonnés aussi. Cela, je vais juste... me reposer aussi un peu comme je vous ai dit, comme tout le monde se repose, je veux profiter aussi. Voilà, c'est comme ça la journée d'aujourd'hui. I hope you are enjoying this video. Make sure you give a thumbs up, subscribe on my YouTube channel for more videos. Merci pour votre amour, merci pour votre soutien. C'est grâce à vous que la chaîne évolue. And I will see you guys in the next one. Accenti, peace.